Bonsoir à tous, donc là on est actuellement sur la première exploration nocturne. On va vous faire visiter, attention les amis, c'est un ancien pensionnat il me semble, orphelinat plus ou moins, et également un sanatorium, donc forcément un endroit chargé d'histoire. Donc on va vous faire une petite visite dans les petites minutes qui vont suivre. Le bâtiment château, principal. Le bâtiment principal. Et là en fait regardez, il y a plein de dépendances en fait. Regardez là-bas, jusque là. Là-bas également. Je sais pas ce que ça donne la qualité, on n'a pas trop réglé l'appareil en fait, parce que c'est vraiment notre première urbex nocturne. T'as ici aussi. Ouais, voilà, vous voyez, c'est immense. Alors en fait, il faut savoir que après avoir été donc un orphelinat, un sanatorium, le château a été passé entre plusieurs mains. Et il y a une personne qui a voulu en faire plusieurs années. Ouais. En fait, voilà, il y a une personne qui a voulu en fait, qui a voulu investir pour faire un complexe hôtelier, restaurant de luxe avec piscine, hammam, sauna, petit terrain de golf. Et donc il avait un petit capital, sauf qu'il a fait un appel à des investisseurs et malheureusement personne ne s'est présenté. Et depuis en fait c'est resté plusieurs années à l'abandon. Il a ensuite revendu à quelqu'un qui lui-même a laissé à l'abandon tout le domaine. Et ça remonte déjà à une dizaine d'années il me semble. Hein. Des Anglais. Des Anglais, d'accord, voilà, les comme deux. Ça. Hein. Avant le Brexit quoi. Voilà, bon bah on va vous faire visiter tout ça. C'est parti, on y va. Alors là, il y a un volet fermé, il y a peut-être des gens qui dorment. Oh. Frappe. Non. Voilà, vous voyez. C'est un château qui date du 17e siècle. 1650 exactement. On voit l'escalier, magnifique. Alors, attends, parce que j'ai ça, si tu peux me le... Fermer la porte. Ouais, ferme la porte et me le poser dans la poche, en fait. Ou le prendre comme tu veux. Ouais, tu le poses par là, autrement. Ouais, on va éviter. Bah, pour toi. On sait jamais. Oui, jamais. On n'est peut-être pas seul. Oui. Ça me fait pas peur. Voilà. Donc là on arrive dans une pièce. En fait on a une cuisine, enfin. On voit que ça a commencé à être rénové. Ben, on voit qu'il y a eu de la rénovation par rapport au plan de travail, au carrelage. L'évier, hein, on voit bien évidemment que c'est pas d'époque. Ça c'est récent. Hein. Ouais, ça a mangé quoi. La pierre, c'est récent ça. Quelle pierre? Ça là. Ouais. C'est hyper récent, ça voit. Ouais, les joints ont été refaits, quoi. Ah non, mais non, c'est le mur qui a été monté directement. Ah ouais, c'est un mur qui a été monté, ouais. On voit bien que c'est pas... Monté ou cassé, non? Non, c'est ouais. Monté. Ouais, c'est récent, quoi. Là, on a une cheminée. Ça doit faire un petit moment, quand même, qu'ils vont commencer les travaux. T'as vu la cheminée? Je regarde les placos et tout, ça a repourri. Même là, ça prend l'humidité. Ouais, on voit, il y a les gaines et tout au plafond. Alors là, la cheminée, comme ça, l'hiver, pour les spécialistes de la cuisine, une petite côte de bœuf au feu de bois. Ah non, je croyais qu'il y avait une plaque derrière, mais non. Non. Ouais. Même la cheminée, elle est... Là, il y a quoi ici? C'est pas mieux. C'est quoi, là? Voilà, il n'y a rien. Voilà. On va continuer la visite. Si ça se trouve, il y a des trésors là-dedans. Ouais, faudrait venir avec un détecteur. Ouais, avec
le détecteur directement. On voit le carrelage en damier. Superbe. C'est beau le granit fond et tout par contre. Ouais, c'est magnifique. C'est triste hein, de voir des endroits comme ça à l'abandon. Même la porte, regarde. Ouais. Là, tu vois, on voit, ouais, en fait, là, c'était des sanitaires qui étaient prévus. Quoi ? Là, c'est des sanitaires qui étaient prévus. On voit, regarde, il y a toutes les, tous les branchements qui sont... Ouais. Toute la tuyauterie. Après, je ne suis pas plombier et encore moins électricien. Regardez, ouais, la porte. Magnifique. Ça, c'est du loquet, ça. Hein. Waouh, ça a morflé. Ça a mangé, hein. Ouais. Mais par contre, on voit qu'il n'y a pas eu de grosse dégradation en fait. Ouais. Comment aller manger la poutre là ? Ouais. Ouais, t'as vu, ils ont mis un soutien là. Ah ouais, ouais. Bah, regarde. Ouais, parce qu'à mon avis, sinon ça se casse la gueule. Bah, je pense qu'il va. On va devoir faire attention où on met les pieds, je pense. Enfin, je parle par rapport à l'étage. On voit vraiment là, tu sais, vraiment les placards de l'époque, quoi. T'as vu ? Comment ? Bah son biais à moitié. Ouais, ouais, ouais. Y'a quoi ? Je sais pas, la bombe qui a été dépensée. Non ? Waouh ! Ah ouais. Regarde. Regarde les poutres là. Sont totalement mais pourris de chez pourris. Hein. Mmh. Waouh. Faut pas monter là. Ouais. Putain, quand tu vois l'IPM qui a été mis là en haut là. Où ça ? Là, l'IPM. Ouais, la vache. Il est énorme. Regardez les amis. Putain d'IPM. Pour les gars du bâtiment. C'est quoi ça ? Tout ça, c'est du... C'est pour isoler ? C'est pour isoler. Ah ouais, c'est de l'isolation, j'avais pas vu. Là, on voit la cheminée. Il y a une tentation de une tentative de rénovation. Une tentation, c'est autre chose. Hein. Là, on voit le carrelage. Années 70-80. Ah ouais. Propriété sous surveillance électronique. D'accord. Entrée interdite, toute okay. Infraction fera l'objet de poursuites. Et regarde. Détecteur. Vas-y, il marche, je crois, non ? On dirait qu'il y a une petite lumière dedans, mais... Non. Vas-y, décale ta... Déjà, faudrait qu'il y ait du courant. Non, 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 c'est ta lumière qui fait ça. Ah oui. Même, il n'y a pas de courant, il n'y a rien qui marche. Hein. Ah ben tu vois oui. Bien. Même ça se voit, vu qu'on en fait pourri partout, ça sera un coup de... On voit mieux quand même.
Alors là, on arrive dans une deuxième cuisine. On voit qu'il y a eu également un mur de montée. C'est quoi? Une salle de bain. Une salle de bain, quoi. Rien d'intéressant. Et là, on a quoi en face? Ah ouais, c'est une dépendance. C'est ce qu'on a filmé au départ. Il y a une carte là. C'est ce qu'on a filmé au départ. Ouais, quand on présentait. Mais ouais. Il y a une carte de. Qu'on montrera pas pour pas indiquer le lieu. Oui, non, tu peux la montrer, on s'en fout. C'est pas la région? Ah, c'est une Bah, carte de France, si. hein. Non, 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 c'est. Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique. C'est la Loire-Atlantique en fait. Ok. Eh, ces portes-là, elles te rappellent pas quelque chose? Si, club. Ouais, c'était les mêmes qu'on Ouais, avait dans à les la toilettes porte. du club. Excellent. Ouais, ça a morflé, quoi. Mais c'est pas dégradé plus que ça, en fait. Bah ouais, mais C'est c'est plus juste. dégradé par le temps, en fait. T'as quand même un paquet de. Bon, là, par contre, la femme de ménage pourrait faire les vitres. De travaux à balancer. Ouais. Alors là, attention, on s'aventure dans une cave. Avec les portes-bouteilles. Les portes-bouteilles. Sans les bouteilles, bon ben, je crois que pour l'apéro, c'est mal barré. Par contre, là, faut vraiment marcher limite accroupi. C'était des nains en fait qui servaient au château à l'époque. Et là, en fait, on a une chaudière. C'est quel type de chaudière, c'est ça? À charbon, non? Ouais, Je ne sais pas trop. Mais là, regarde, en fait, je l'ai aperçu en rentrant, mais j'avais un doute, mais j'étais pas sûr. bah, c'est pas fou en tout cas. Mais là, regarde, en fait, on sait qu'en tout cas, à l'époque, c'était chauffé avec du charbon, de toute façon, Ouais. les châteaux. Regarde, Là, c'était là, pour se c'était faire livrer pour se faire directement. livrer, ouais. Vous voyez, les amis, là, en fait, là, c'était vraiment la petite trappe où, d'ailleurs, qui est cassée, on voit là, la ferraille. Et là, en fait, ils balançaient le charbon par ici et ils récupéraient le charbon. Pas de traces de charbon, mais bon, Ouais. là, ça remonte à quelques années en arrière. Hein. Parce qu'on vous rappelle que le château est du 17e. Enfin, château, j'ai pas envie de dire château, je dirais plus manoir que château. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Sorte de grand manoir, quoi, en fait. On va se faire l'étage. Ouais. On va faire attention. Ouais. Là, on devait nous caler, là. Ah oui, c'est où on a vu tout à l'heure. Ouais. Ouais. Regarde. Ouais. Regardez les amis, là, on est au rez-de-chaussée. Et là, on est au premier. Regarde, on voit, je sais pas si on voit d'ici, mais l'espèce de tapisserie baroque. On voit la cheminée d'époque. Là, on C'est est où moi qui ici? craignos par endroit. C'est craignos par endroit. Ouais. Voilà, c'est solide ici, là, on voit. C'est solide là. Bah oui, là, oui. Tu vois, là, ça devait être une salle de bain, là. Ouais, ben ils ont commencé, mais ils n'ont pas fini. Ouais. Voilà. Ça, c'était défoncé, ça. Ouais, Après, c'est ça des par contre, c'est branleurs du qui sont vandalisme. venus, hein.
Ouais, et alors on voit le truc hyper intelligent sur le sol. La croix gammée. Une croix gammée. Pièce weed. Ouais, là on voit que en fait ça pue. Hein? Ça pue là. C'est la moquette qui fait ça. C'est une odeur de. Ouais, on dirait surtout qu'ils ont pissé sur. Ouais, ils ont pissé sur la moquette, on dirait. Les clochards, sérieux. Bah là, regarde. Ouais. Ouais. Voilà. Enfin, c'est malheureux que en fait, il y a toujours des. Terrible à voir. Quelques idiots qui respectent pas les lieux. Là, il n'y a rien de terrible. Non, il n'y a rien à voir. C'est de la pièce vide, quoi. Même sans aucun cachet, quoi. Ouais. La salle de bain. Avec la baignoire. Une douche derrière, non? Les chiottes. Dans la douche. Tu te fais une belle maison maintenant, hein? Ben ouais, mais t'as intérêt à avoir une foule nombreuse, hein. Ouais, puis un bon compte en banque. Putain, c'est con ce que. Ça avait commencé à être bien rénové, hein. Ouais, mais tu vois pas. Regarde les... le plafond là. Bah ouais, on voit, ouais. Le placo. Voilà. Tu vois pas les. Là déjà, là, il y a une fuite. Tu vois pas que... les dolles qu'il faut. Regarde. Waouh, waouh, ah ouais, ça se casse la gueule. C'est un CD, carrément. Ouais. Bon, on voit toute l'humidité, quoi. Là, pareil. Ouais, faut faire gaffe où on marche, hein. Ouais, c'est solide. Bon, bah, le mec qui le déporte, pas trop mal. Là, il y a quoi ici? Pas grand chose non plus. Non. Ça avait ah ouais, tu vois, un début de salle de bain aussi. Ça avait commencé à être plaqué partout, parce que là, les... Ouais, on voit les rails et tout. Il n'y a aucune bande de fête, rien. Un néon. Je sais pas ce qu'il fait là, le néon. Miroir cassé. Et là, on revient où on était, en fait. Ouais. Donc là, on passe par là. Il y a le deuxième étage. Imagine la vie à l'époque. Ouais. Oh, le granit partout, c'est... On a pour le bloc, hein. Ouais. Alors attends, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Voilà comment ça a bougé en entier. En fait, il y avait un rhabillage qui avait été commencé au niveau des poutres, en fait. Et ouais, les marches, là, elles sont en granit, hein. Ouais, elles sont en granit. Ouais. Ça, là t'en as pour une blinde rien que dans les marches. Là on est où à droite? Là il y a rien. Ouais, il y a rien en fait, ouais. Ça, tu sais, ça devait être... Au temps du pensionnat, ça devait être les chambres. Ici, ouais, ouais, je pense, ouais. Oh, c'est sûr, ouais. Ouais. C'est énorme, non? Ouais. Fais attention où tu mets les pieds. Voilà, faut éviter d'y aller. Oh ben ouais, hein. Là, on voit le plancher, regarde. Ouais, mais le pire, c'est là. Filme-moi deux secondes. Ouais, tiens-le bien, ouais. Ouais, 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 okay. Ici, on voit comment il a ondulé le parquet. Je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais c'est un truc de fou. Là, tout, en fait, ça, tout ça, en fait, ça a cassé à descendre. Ben ouais. Tu vois pas les travaux. Ouais. Le mec qui s'aventure là-bas, il est soit fou, soit blindé aux as. Ouais, là, c'est solide. Ouais, parce que regarde, en fait, t'as le plancher et T'as une dalle en dessous, je pense. Ouais.
Ah ouais, là on a fait. Ouais. Là, il n'y a rien de spécial en fait. Le cachot. Alors là, par ici, moi, je ne m'y aventurerai pas. Regarde là-bas. De quoi ? Attends, je sais pas si on voit la... Le parquet à la caméra, mais regardez. L'humidité là-bas. Ouais. Là-bas, tu mets les pieds, tu passes à travers, je pense. Ouais, mais on dirait que... ça avait été rénové tout ça là. Ah ouais ? Oh oui. Même ça là. Ça, là. Ouais. Si j'étais un charpentier. Bah c'est bon, on a fait le tour. Hein. Ouais. Et donc là, en avance, on a repéré une chapelle. Elle est ouverte apparemment. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors on verra lors du montage, on vous donnera plus d'informations en fait sur le lieu en voix off. Mais là ça ressemble vraiment à un caveau là. Et dans les caveaux, on faisait quoi? On enterrait les gens. Waouh. Ouais, mais il est vide. Ouais, il est vide. Il est vide, hein. Il a ressuscité. Non, mais c'est vide. Ouais. Il est vide, c'était retiré, en fait. Regardez. Tu vois, avec le bras et la GoPro, j'aurais pu... Parce que là, il y a un truc en dessous, mais on voit pas ce que c'est. Donc là, les amis, il y a eu quelqu'un ou plusieurs personnes d'enterrer là-dedans, enfin de mis en bière. Ah ouais, c'est un caveau, ouais. Ben là, par contre, il y a vraiment un mort là-dedans, quoi. Ouais, c'est flippant. Bon, on va se faire une petite expérience paranormale. Ouais. T'as pris le Ouija, il est dans le coffre de la voiture. On va sortir tous les accessoires. Ouais, on est un peu sceptique de ce côté-là. On va sortir le K2, la Spirit Box et tout le reste. Il y a un truc qui est vrai, c'est Mesrine qui disait ça. Ouais. Qu'il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Le paradis, c'est sur Terre et l'enfer aussi. Ouais. Là, on voit les interrupteurs. Bon, on va ouvrir. Hein. On a la messe à 11h demain matin. Oh putain. Et là, ça remonte un peu en arrière. Et Dédé, t'as fait quoi les dominos là? Les vitraux, par contre, ils sont des électriques. Ouais, ils ont mangé. Ah ouais, on voit. Il y a que là, ils sont un peu en bon état. Voilà. Je vais prendre un peu de recul, les amis, pour que là, vous puissiez voir. En bon état, là, le bar. Vous voyez un peu, ouais. On mais va dire que. Ça, à mon avis, ça a été cassé volontairement. Ouais, c'est des gamins, des gamins qui ont jeté des pierres dessus. Là, ça, c'est plus le temps. Hein, mais là, on voit comment se dégrade la chapelle. Mes bien chères sœurs, nous vous accueillons dans la maison de Dieu pour célébrer la messe du dimanche. Alors là, on a fait une découverte inattendue, on va dire. Donc on a été voir dans le caveau, on a fait les fous, et on tombe sur un cercueil. Regardez ça, putain, c'est un truc de dingue. Mets-moi, éclaire-moi. Parce qu'en fait, j'ai mon panneau LED qui est... C'est une poignée de cercueils, en fait.
gros, là-dessous, il y a un cercueil. Et c'est dommage que j'ai pas la GoPro avec le bras. Putain, c'est ouf. Et attention, les amis, après avoir mené notre petite enquête, nous avons pu découvrir l'identité de la personne qui fut enterrée dans cette chapelle. Il s'agit d'un religieux, un prêtre, qui fut ordonné prêtre en 1841 chez les missionnaires diocésains. On va pas vous révéler bien sûr de quelle ville il s'agit, on garde ça top secret. Il décédera en 1879 et sera enterré dans cette petite chapelle. Voilà, vous en savez un peu plus sur l'historique de ce caveau, de cette chapelle. Voilà, on espère que ça vous a plu les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et également à activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat, Ed and Roca. Voilà, on espère que ce spot vous a plu. À très bientôt pour de nouvelles aventures urbex. Ciao, à bientôt.